Non, mais. Oui. À mon mariage, tu seras là. Mais, ouais. C'est toi qui vas me marier. Parce que moi-même, je suis déjà marié, c'est important. Avant, tu as vu ta femme au marché. Ouais. Mmh. Elle ne paye plus les choses, elle a sa main droite. Mmh. Quand elle a fait ça, là, c'est combien? Non, ta femme paye les choses. De... femme mariée, de toute façon, tout le monde doit savoir qu'elle est mariée. Elle dit, ma copine, c'est combien ça, là? Elle dit, c'est 1 000 francs, 1 000 francs. Et tout. C'est important. Non, vraiment, du courage. En tout cas, donc, il faut te marier. Hein? Mon frère. Uh-huh. Ah, voilà, quand un homme marié veut saluer un célibataire, c'est une main gauche. Vraiment, mon frère, du courage. En tout cas, le bonheur des célibataires s'arrête où la saison des pluies commence. Yako, faut te marier. Faut te marier. Il n'y a jamais pensé que mariage, c'est un truc. Mariage, là, c'est la seule guerre où on dort avec son ennemi. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour se marier. Un jour, on est à la maison, on entend. Mon oncle dit, c'est quoi? Il dit, hé, tonton, c'est mariage. Il dit, l'enfant là, c'est pas dans quoi, il s'en va se mettre. L'affaire où nous, on veut sortir, là. Et ça, lui, il s'est plongé dedans les deux pieds joints. Mariage, c'est comme politique. Si on t'a expliqué, et puis tu as bien compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Chacun vit sa réalité dans le mariage. On peut parler un peu de mariage? Vous voyez, moi actuellement j'ai fait d'autres. Je ne suis pas encore marié civilement, religieusement. Donc je comprends le mariage. Parce que le mariage c'est comme dame. Celui qui est assis qui joue là, il ne voit pas. C'est toi qui es dehors, tu comprends ce qu'il fait. Donc actuellement là, moi je peux donner conseil aux hommes mariés, aux magnifiques. Hein? Je peux donner conseil. Mais, hey, où ils sont assis là? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Un homme marié comme ça, il dit, oh, allons boire une bière. Il dit, non, ma femme est là. Il est bête. Oui, il est assis là. Le garçon est bête. Hein? Si elle pose question, tout le suite, vous allez voir que le garçon est bête. Attends, excusez-moi. Grand frère, ça là, c'est pas un truc. On va vérifier. C'est juste pour vérifier. Papa, si tout le suite, on dit, on fait un jeu. Et puis tu remportes le dernier cri de iPhone, c'est pour qui? C'est pour ma femme. Vous avez vu comme le garçon est bête? Il dit, c'est pour ma femme, gaillardement comme ça. C'est pour ma femme. Garçon est bête même. Mais papa, tu as bien fait. Toi, au moins, tu es heureux. Maintenant, si tu es trop fort, il faut utiliser. C'est là que tu vas voir que ta femme balle seule. Le téléphone sonne, elle est dans son coin là-bas. Ouais, bon portable. Hein. Depuis, on est assis dans la maison. Si notre téléphone est cassé, on ne sait même pas qu'on fait. Lui, il a appris, il a mis son téléphone. Toi-même, tu as l'air, tu appuies, et puis tu dis, bébé, tiens. Même si tu veux, il faut payer iPhone 14 pour ta femme aujourd'hui. Demain, on a qu'à te donner un nouveau portable. Elle va dire, il faut changer pour moi. Même si ce n'est pas même iPhone. Là. Où sont celles qui sont mariées? Ah là là, la main là. C'est dit, c'est en fonction du nombre d'années de mariage que la main s'élève. Celles qui se sont mariées avant-hier là. Celles qui sont dans le mariage il y a longtemps là. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Mariage. C'est-à-dire, bon, où sont celles aussi qui ne sont pas encore mariées? Voilà. C'est vous, on demande votre numéro au quartier. Elle répond toujours, je ne donne pas mon numéro à un inconnu. Or, toutes celles qui sont mariées là, elles ont donné leur numéro à un inconnu. C'est l'inconnu qui a fait d'elle Madame Tan. Toi, tu es assise là, c'est pour aller dans le mariage de ta copine. Didier, il faut mettre Roselyne Layo. Et puis, il faut dire, donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Madame, vous mangez là. C'est vrai, nous, on ne donne plus. On ne donne plus. Maintenant, quand on rentre dans le mariage, madame, vraiment, comment vous faites? Madame, comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites pour vous laver tous les jours comme ça? Comment? Parce que où on est assis là, il y a des gens qui en sont en 48 heures. Hein? Les gens, ça fait 2 jours, ils ne se sont pas lavés. Hey, vous vous amusez dans un matin là, comment toi, femme, tu te laves? Hey, je ne comprends pas quoi. Il fait froid comme ça. Nous, quand nous, on s'est levé, garçon, on ouvre le robinet, puis on fait quoi? Hey! Hey! Comment on sait que forcé, tu as parti, ta femme va dire, tu t'es lavé, on prend l'eau, on met sur nos pieds, puis où on sait qu'on peut gratter, ça a des blancs là. On mouille. Quand on s'en dit, bébé, toi, il faut voir. Maintenant, quand tu es dans ton foyer, les femmes, vous nous embêtez toujours. On peut parler un peu des dessous des gens?
Toujours. Hein? Quand il t'entend laver là, faut laver ton caleçon. Tu es dans tes laver là, faut laver ton caleçon. Faut laver ton caleçon. Hé, hey, madame, quand vous partez, vous lavez là. Faut on fait comme ça et puis c'est propre. Nous, pour nous là, c'est habit. Pour garçon là, c'est habit. On n'a qu'à laver habit tous les jours. Tu es dans tes laver et puis voilà. Tu es en train de laver habit toutes les parties ici là. Toujours. Tu es en train de laver habit tous les jours. Et si on parlait du caleçon de la gloire? Caleçon noir, ouais. Le jour on trempe caleçon noir, tiré à l'eau, là, c'est thé. Ouais. Le seul caleçon, c'est-à-dire que c'est noir, donc tu ne disais pas que c'est sale. Donc tu es assis quand Odin monte et puis il dit, c'est sale. Hein. C'est à cause de ça, nous les hommes, on ne fait rien. L'eau de toilette, c'est l'eau de parfum qui vient à nous. Quand tu vois un gars, il sent fort comme ça. Là, c'est que... Non, on peut, vous aussi, on s'est levé matin, midi, soir, tous les jours. Pourquoi? Mariage, c'est dit que si on t'a expliqué, c'est comme politique, hein, on t'a expliqué que tu as bien compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que les femmes la font toujours là. Je sais que, maman, quand tu es là, maman, tu as déjà fait ça, papa, je sais. On va au restaurant. Chérie, qu'est-ce que tu manges? Et puis elle dit, vraiment la carte. Elle regarde le camp et puis elle dit, j'ai mangé ça là. Toi aussi, tu choisis ce que tu vas manger. Maintenant, quand on vous sert là, vous êtes en train de manger et puis elle te regarde et puis elle dit, on dirait que pour toi, elle est doux. Le bébé femme, vous êtes en assiette, elle voit un peu. Qu'elle pique, elle dit, c'est doux et puis tu ne m'as pas dit. Oh, on était là, tu pourras commander la même chose que moi. Oh, laisse-moi là. Elle dit, laissez-moi, je ne joue pas. Oh, c'est quoi? Je dis, je ne joue pas. Oh, c'est quoi? Je ne joue pas. Y'a quoi? Mais pourquoi ils veulent que moi je joue? J'ai dit je joue pas, y'a quoi? Je joue où? Ils disent de faire quoi? Ils sont là, moi j'étais en train de me laver, ils sont en train de me chercher pour dire de venir jouer, pourquoi? Mais faut jouer.